Bonjour à tous les entrepreneurs, bonjour à tous les amis, bonjour à la communauté. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous trois leçons inspirantes que nous pouvons tirer du départ de la légende du football international Lionel Messi du Paris Saint-Germain vers les clubs de football de Miami aux États-Unis. L'histoire de Messi est pleine de succès, pleine d'innovations, pleine de défis. Et nous pouvons appliquer ces principes à notre propre parcours entrepreneurial. Alors, vous êtes là, préparez-vous à être inspiré et motivé par ces trois leçons clés. Nous les avons choisies donc à trois pour nous inspirer en tant qu'entrepreneur ou en tant que quelqu'un qui mène son commerce débutant, bien sûr. Allez, je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne pour que des pareilles inspirations nous viennent toujours et que nous puissions les disponibiliser pour la communauté. On passe directement à la première inspiration. La première leçon que nous tirons du départ de Messi de Paris Saint-Germain, c'est la recherche de nouveaux défis. Chers amis, l'une des leçons essentielles que nous pouvons apprendre de Messi est sa recherche constante de nouveaux défis. Après avoir évolué dans les mêmes clubs pendant de nombreuses années, le Barça, Messi a choisi de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre les Miami Football Club aux États-Unis. Cette décision montre l'importance de sortir de notre zone de confort et de nous lancer dans de nouveaux projets audacieux. En tant qu'entrepreneurs, nous devons être prêts à prendre des risques. Nous devons être prêts à explorer de nouveaux marchés. Nous devons être prêts à saisir les opportunités qui se présentent à nous. N'ayons pas peur de nous lancer dans l'inconnu et de relever de nouveaux défis. Nous devons donc affronter. Regardez comment ce monsieur fournit des efforts tout le temps pour être à la fois productif, à la fois rentable et à la fois toujours inspirateur. Ah, ça c'est vraiment l'essence du défi que l'entrepreneur doit développer dans toutes ses activités. Deuxièmement, nous parlerons de l'importance de l'adaptabilité. Un entrepreneur doit avoir une autre leçon clé. Une autre leçon clé. Et ici, nous pouvons la tirer de Messi. Cette leçon, c'est l'adaptabilité. En quittant le Paris Saint-Germain pour rejoindre les Miami FC, Messi doit s'adapter à une nouvelle équipe, un nouvel environnement et une nouvelle culture. Cela nous rappelle l'importance de rester flexible et ouvert aux changements dans notre parcours entrepreneurial. Les marchés évoluent rapidement, les technologies se développent très vite et les besoins des consommateurs changent. Voyez, il est essentiel donc de s'adapter à ces changements, de repenser nos stratégies et de saisir de nouvelles opportunités qui se présentent. Soyez donc prêts, chers entrepreneurs, débutants ou experts, à vous adapter et à innover pour rester compétitif. Un entrepreneur, c'est un compétiteur. Il apprend tous les jours. Il aiguise ses armes chaque fois pour affronter les nouveaux défis, pour s'adapter au marché qui se présente et pouvoir gagner de l'argent, gagner du capital. On est ensemble, chers amis. Nous passons à la troisième leçon que nous apprenons du départ de Messi de Paris Saint-Germain. C'est cette leçon que nous pouvons apprendre de Messi et l'importance de la marque personnelle. Mais un bel entrepreneur, c'est celui qui crée sa marque, qui sait la promouvoir, qui sait l'élever, qui sait l'adapter, qui sait tout faire pour que sa marque soit toujours parmi les premières sur les marchés. Messi est non seulement un joueur de football incroyable, naturellement surprenant, naturellement extraordinaire, mais il est également une marque à part entière. Son nom et sa réputation sont devenus des atouts inestimables pour lui-même et les clubs pour lesquels il joue. En tant qu'entrepreneur, nous devons comprendre l'importance de développer notre propre marque personnelle. Nous devons comprendre comment créer une identité forte, comment la partager, comment partager nos connaissances et notre expertise
et construire une réputation solide dans le domaine dans lequel nous évoluons. Votre marque personnelle peut vous ouvrir de nouvelles opportunités. Elle peut vous attirer des partenaires et des clients de qualité et vous démarquer de la concurrence. Votre marque personnelle va vous distinguer parmi plusieurs. Même quand il y a des millions, vous allez vous distinguer, vous allez vous démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de sites de commerce. Les sites de e-commerce, il y en a beaucoup. Mais quand on parle d'Amazon, c'est le mondial. Quand on parle d'Alibaba, attention. Donc, la marque est très importante. En tant qu'entrepreneur, la leçon de Messi nous la communique. Nous devons donc entretenir notre marque et faire de notre mieux pour la développer, pour l'élever. En conclusion, chers amis, le départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain vers les clubs de football de Miami nous offre trois leçons importantes dont nous avons parlé ici pour les entrepreneurs que nous sommes. Nous devons rechercher de nouveaux défis. Nous devons nous adapter face au changement et nous devons développer notre marque personnelle. Inspirons-nous de l'histoire de Messi et appliquons ces principes à notre parcours entrepreneurial. Nous devons toujours nous souvenir que le succès vient souvent de l'audace. Le succès vient souvent de la persévérance, de la flexibilité, de la construction d'une solide marque personnelle. Le succès descend de cette force audacieuse qui nous mène vers des réussites. Même quand nous pouvons tomber, l'échec, c'est quand on reste dans la position tomber couché. Mais nous devons nous relever chaque fois que nous tombons. Parce que en échouant, en perdant une bataille, cela nous montre que nous pouvons encore nous préparer davantage pour être encore plus forts, pour gagner les batailles suivantes et remporter la guerre. On est ensemble, chers amis. Messi nous inspire. Léo Messi. Allez, merci. Bonne chance à vous et à tous vos projets, bien sûr. Nous vous souhaitons des bonnes choses. Voudriez-vous bien sûr vous abonner et vérifier? Donnez-nous le pouce bleu pour aimer, partager nos vidéos. Ça nous fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. C'est Congo Bon. Bye.